La sublime Hera, divine mère. La très sage Athéna. Le puissant Poséidon qui fait trembler le sol. La fervente Artémis dont on dit la visée si juste qu'elle peut transpercer le cœur d'un colibri. Des cochons fardés. Tous, je te vois là-bas. Approche, je t'attends. À moi ! Au secours ! Quelqu'un ! Tu n'es pour rien dans tout cela. Tu es une victime. Comme tous les mortels, nés dans ce fol atelier à ossements, vous n'êtes que des reflets tronqués d'un miroir brisé. Admire tes dieux. Celle-ci a tué 6 enfants innocents pour assouvir sa rage. Ils se querellent, sont rongés par l'envie, trompent, combattent et assassinent. Ils sont cruels, vindicatifs et égoïstes. Et, à l'instar du talon d'Achille, leur méprisable faiblesse les perdront. Je n'ai pas leurs défauts. Les autres sont tombés. Il n'en reste plus qu'un pour m'empêcher de rénover l'Olympe. Le plus perfide, le plus arrogant, borné et orgueilleux fils de Cronos, celui qui m'a enfermé sous terre. Le seul et unique Zeus! Ah, comme tu m'as manqué, Prométhée, mon cousin préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher et laissé un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour! Oui. Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés, les Titans. Persuade-le d'abandonner. Ce n'est pas si simple. Il entrave ma capacité à voir l'avenir. Je ne perçois rien par-delà sa seule présence. Vas-y. Foudroie-moi. Impossible! Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait! Ces parasites maléfiques, insipides, benêts, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari? Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste? Disons un peu excessif. Alors, marché conclu? Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais si je gagne, tu m'aideras à triompher de Typhon, quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phénix être ma rédemption. Oh non! Pas une de tes histoires! Combien de temps ça va? Mon récit débute en mer. Un navire chargé de soldats revient d'une campagne lointaine. Mais il est victime d'une tempête imprévue. La mer est démontée. Ils sont fauchés par les vagues. La ligne séparant le ciel de la mer s'est évanouie. Le sommet des vagues surplombe des vallées abyssales, aussi profondes que le Tartare lui-même. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. À l'aube, le soleil se leva sur les quelques rescapés. L'âme la plus humble, dont la tâche était de porter le bouclier, rêvait de bataille, mais n'avait jamais connu le tumulte. Attends,
Ne me dis pas que... Des sourcils... Une peau couleur d'olive. Les bonnes, hein? Pas les vertes. Un visage comme... Couleur d'une chambre désertée. Couleur... Pan-couleur d'une biscotte cramée. Un visage que je vois en rêve. Un oiseau à l'œil perçant. Tu sais, un visage... Oh. Des cheveux comme une cascade sur les falaises de Centaure. Sombre comme le crépuscule, les saveurs de l'automne. Couleur de baiser glacé. Fin comme Tantale, épais comme Dionysos. Avec une barbe, comme les poils de pec d'Apollon. La tempête! Me réveiller! Il faut que je me réveille! La tempête! Me réveiller! Il faut que je me réveille! Là! Je la vois comme en plein jour! La plus humble d'entre eux était une porteuse de boucliers, rêvant de bataille, mais ignorant le tumulte de la guerre. Un être de conte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom, Phénix? Phénix, d'où ça sort? On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule, hein, pour ne pas dire pire. Je vais quand même noter ça quelque part. C'est ainsi que Phénix s'éveilla sur une grève inconnue. Locagos! Capitaine! Quelqu'un m'entend?
Le seul moyen de quitter cette plage est de gravir cette falaise. Phénix vit au loin son capitaine et ses frères d'armes. La lumière lui joue en détour, elle aurait juré qu'il l'appelait par de grands gestes. Phénix, encore toi. Tu n'es peut-être pas ton frère Léguéron, mais je ferai quelque chose de toi. Tiens bien mon bouclier, et ne le lâche pas cette fois. Je ne t'ai pas vu là-bas. Ne fais pas attention à eux, ils sont jaloux, c'est tout. Faut pas leur en vouloir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un frère comme le tien. Locagos, Locagos, est-ce que tu m'entends? Tu es tout froid. Quelle peut être cette magie? Léguéron, où es-tu, mon frère? Perdu et désarmé, Phénix était vulnérable. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. L'épée de mon frère. Non ! Léguéron ! Mon frère ! Tu as toujours été mon héros. Mon étoile polaire. Je te ramènerai. Je le jure. Phénix n'avait jamais eu le droit de tenir l'épée sacrée, ce cadeau d'Achille. Elle lui parut parfaitement équilibrée, comme si on l'avait façonnée pour elle. Une épée offerte par Achille? Son frère devait être doué pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça? Parce qu'à moi, il m'a jamais donné d'épée. C'est tout. Phénix leva les yeux. Elle n'était pas seule. Par les dieux! Reculez! Elle brandit son épée pour sa première bataille. Phénix sentit l'entraînement lui revenir à l'esprit. De là-haut, je devrais pouvoir observer la région. Contrairement à la chair humaine, laquelle s'était vue transformée en marbre, celle des grenades s'épanouissait hardiment, gorgée de vie. Je trouve ça bien poétique pour quelque chose qu'on se colle dans la bouche. C'est un peu le but des meilleures poésies, non? C'est la plus grande statue d'Hermès que j'ai jamais vue. Je me demande qui a pu l'ériger. Cernée par les défis. Absolument seule,
La jeune héroïne était résolue à sauver ses compagnons et son frère. Oh, c'est lourd. Allez, la suite. Non, c'est important. Cela établit une atmosphère. Hermès, mon vieil ami. C'est un honneur de te rencontrer enfin. Mais ne répète à personne que je t'ai parlé. Chez moi, on me reproche déjà assez de mémoriser les récits plutôt que de travailler la terre. Et les autres soldats, eh bien, ils ne sont vraiment pas du genre à apprécier les belles histoires. Ça a l'odeur à la fois du miel, d'un premier jour de printemps et de mon premier baiser. Phénix se met en plus à l'ambroisie. Prométhée ! Tu as peur de perdre ce pari, Zeus ? Ah, elle ne peut rien en faire de toute manière, pour l'instant. La destinée de Phénix devint alors plus claire. Bon, jusqu'ici, tu ne me montres qu'une mortelle après un seul combat. C'est un peu court, bonhomme. Et Typhon devient de plus en plus fort. Ne te moque pas de moi, Prométhée. Je te jure que cette guerrière sera l'instrument de notre salut. Car si elle échoue, et si Typhon nous bat, le monde sombrera dans le chaos. Zeus, roi des dieux. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un griffon? Les griffons n'existent pas! Lâche-moi! À l'aide! Hé! Je vais te sauver! J'arrive! Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille.
Comment descendre? L'étang! À chacun de ses pas, Phoenix sentait la lame de Libiru, sa masse lui rappelant le poids des responsabilités. Tu lui as offert ton épée? Oh, Achille! Je voulais te demander, pourquoi quelqu'un recevrait-il une épée de la part d'Achille? En cadeau. Une offrande normale, de la part de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous considère, hein, et qui vous porte de l'affection. C'est tout. J'avais laissé une rose sur son plastron. Excuse, j'ai une poussière dans l'œil. Vas-y, roule. Muse, Muse, chante Hermès, le messager des dieux et de la chance. Il côtoie les mortels comme les immortels. Il n'en tire guère profit, mais dans la nuit noire, il joue sans cesse des tours. C'est joli. C'est de qui, ça? Mon poète préféré, qui, étrangement, n'a pas encore vu le jour.
vent, laissé par les sbires de Typhon, fut attiré vers Phénix. Ce métal des dieux souhaitait être forgé en quelque chose de plus noble. Impossible de traverser. Oh.
Tu m'entends là-dedans? J'arrive! J'ai trouvé ta hache! Phénix s'approcha de la hache, ayant senti qu'elle l'appelait. On dirait la hache d'Atalante. Ce doit être une copie. Quoique... Mais avant que Phénix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le trou par une force terrible. À ma porte. Personne. Tu crois que je vais me laisser avoir par ce vieux tour? Je ne suis pas né de la dernière pluie, je connais. Entre chez moi, dit le cyclope au marin. Eh ben voilà, c'est terminé pour Phénix. Formidable, hein, comme histoire. Bon, il y a 2-3 longueurs, on va pas se mentir, hein, mais je m'attendais pas à cette fin. Donc, voilà. Il est temps que tu me donnes un coup de main face à Typhon. Wow, mais l'histoire n'est pas finie. Loin de là.
plaît cet endroit. En effet, quel était ce lieu étrange? Le Tartare. Mais où exactement était arrivé Phoenix? Le Tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Typhon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des enfers quand il s'est échappé. Je le sais, tu le sais. Alors autant le dire. Phoenix était dans le... Voilà. Je te hais. Tu n'aimes pas le suspense? Non. Allez, continue. Très courageuse ou très stupide, petite. Voyons si tu peux triompher de mon défi. Ou si tu finiras comme tous les autres. Qui es-tu? Eo!
vois pas encore, mais ça va venir. Qu'est-ce que c'est ? Des ailes ? En les caressant de la main, Phénix remarqua qu'il manquait des morceaux. Comme si quelqu'un les avait arrachés. Ce ne sont pas des ailes naturelles. Je me demande comment elles fonctionnent. Si elles fonctionnent. Elle marche vraiment. Enfin, presque. La hache. La hache d'Atalante. La meilleure chasseresse. La plus rapide des héroïnes. Vaincue par Typhon. Je l'avais pas transformée en lionne. Tu as transformé beaucoup de gens en beaucoup de choses. Faut vraiment que j'arrête de picoler. Et cette fois, tu péris, petit. Tu es toujours là. Je sens quelque chose d'autre en toi. Mais c'est l'un de mes éclairs! Dispersé, dissimulé par Typhon. C'est fini! Un tas de cendres, la petite Phénix. Il n'y a que moi pour résister aux éclairs. Ah, vraiment? Une réplique de la foudre de Zeus? Je le crois pas! Le pouvoir envahit Phénix. L'intensité était incommensurable. Qu'est-ce qui m'arrive? Adieu, mortel! Mais, d'un seul coup, tout s'arrêta. Non! Les ailes absorbèrent la foudre. Elles étaient conçues pour résister aux orages. Mais c'est pas possible, ça! Et pourtant, nous n'en étions qu'au début.
Ayant survécu à sa plongée dans l'abîme du Tartare, Phénix ressortit victorieuse. Pour l'instant. Où est passé l'étranger que je poursuivais? Grâce aux ailes, elle pouvait traverser l'ancien pont et le découvrir. À sa place, je ne mettrais pas ce genre de truc. Va savoir où ça a pu traîner, ça. Bien des soirs, Phénix avait conté les récits d'un génie, un inventeur nommé Dédale, et de ses ailes extraordinaires. Peut-être que quelqu'un les a recréées, se dit-elle. Super ! Ah mais... peut-être qu'elles sont maudites. Je viens à ton secours! Tiens bon! Si seulement Ligiron était là. C'est lui le héros célèbre, pas moi! Qu'est-ce que je vais faire?
Endormir les créatures du Tartare en leur racontant une histoire? Pièce étrange, qui porte la marque de Caron. Typhon les a volés aussi? Caron économisait pour construire un pont. Gorgones ? Elles existent ? Quelle est cette lueur ? Peut-être qu'en approchant discrètement... Ces brassards, je les ai déjà vus, dessinés. C'est impossible. Et pourtant, Héraclès, le plus puissant des mortels, le tueur de bêtes, a défié Héra et réalisé l'impossible en portant ces brassards. Dorénavant, ils appartenaient à Phénix. On appelle ça de la chance. Quelqu'un qui est armé! Ainsi Phénix, après avoir triomphé de la Gorgone qui avait attaqué Héraclès. Qu'est-ce que tu fais là? Cette chose, avec ta voix? Héraclès? Oui, c'est quoi ça? Ben oui, c'est comme ça que ça se prononce. Ça a l'air épuisant. Un coup à s'esquinter la santé. Sauf que je suis immortel. Ça va, pas la peine de le rappeler. Par les dieux, j'ai l'impression de pouvoir soulever une montagne. Si seulement ces brassards pouvaient déplacer celle-ci. Non mais vous voulez pas vous embrasser non plus.
T'es pas un oiseau.
S'il est tombé dans cet endroit... Je vais te sauver! Je te le promets!
Bon alors, il y a quand même une chose qui m'échappe. Au lieu d'aller consulter l'oracle au temple d'Apollon, Phénix a préféré suivre cet étranger-là. Phénix, qui a bon cœur, a souhaité venir en aide au mystérieux étranger, mais n'a jamais perdu de vue le fait qu'elle approchait du temple d'Apollon et d'une solution permettant de lever la malédiction pesant sur son frère et ses compagnons d'armes. Ah oui, rappelle-moi d'effacer mes défauts par une formule. Zeus, qui a bon cœur, a tué sa première épouse en l'amenant à se transformer en mouche avant de l'avaler. Quoi ? C'est ce qui est arrivé à Métis ? Je la croyais chez sa sœur à Babylone. Oups. La marque d'Ithac. Ulysse. Manier le pouvoir réclame plus qu'un adroit jeu de jambes. Voyons si tu sais le contrôler. Qui es-tu ? Montre-toi !
deux des cibles paraissaient assez faciles à atteindre. Mais la troisième exigeait la concentration d'un grand archer. Non mais oublie. Aujourd'hui les gens savent plus se concentrer. C'est le déficit de l'attention, l'hyperactivité, tout ça. Tout cela de la bouche du dieu qui considère une amourette d'une semaine comme une relation de longue durée. Ferme, et tu survivras peut-être, ma petite. Doté de l'agilité d'Achille, de la vitesse d'Atalante, de l'esprit d'Ulysse et de la force d'Héraclès, Phénix était prêt à affronter tout ce que lui réservait l'avenir. Quoi? C'est tout ce qu'elle a pour elle? Ah bah, bon courage! J'approche de l'oracle. Le désir de sauver son frère et ses camarades cuirassait la détermination de Phénix. Répugnante facilité. Il y a quelque chose là-bas.
Phénix dit que les sbires de Typhon avaient cerné l'étranger, ne lui laissant aucune issue. Le combat s'annonçait difficile. Ah, j'espère que l'étranger va mourir. Sortir. Non, merci. Je suis bien où je suis. T'as aucune raison de t'inquiéter. Si j'avais voulu te faire du mal, il y a longtemps que je me serais occupé de toi. Très juste. Alors, dans ce cas... Phénix. Original comme nom. Merci pour ton aide, Phénix. Joli bracelet. Merci. Je vais au temple d'Apollon. Il faut que je rencontre l'oracle. Moi aussi. C'est par là. Formidable. J'ai besoin de toute l'aide possible. Nous pourrions y aller ensemble. Hé, mais où es-tu passé? Mes brassards. Ah, le sale voleur. Je t'ai sauvé, je te signale.